C'est parti, bienvenue dans la QB Team, nouvelle vidéo sur Resident Evil 8. Donc on continue l'exploration du village après les premiers épisodes qui étaient quand même assez bourrins, plutôt que flippants sur ce fameux jeu. Donc on avance doucement mais sûrement vers la première énigme, en fait, qui est pas vraiment une énigme, mais qui va vous permettre de rencontrer les premiers villageois et puis surtout de vous ouvrir l'accès vers le château de Dimitrescu. Donc pour l'instant c'est la fin d'exploration de cette zone de village qu'on voit qui est pas complètement ouverte, donc il y a des chances qu'on y revienne au fil du jeu. Mais voilà, donc pas mal de mystères qui s'épaissit, et puis surtout vous qui tentez d'avancer avec pas mal de munitions, parce que là je joue en normal, donc ça va, c'est pas trop flippant. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo, on se retrouve à la fin. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants ? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. Oh. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher ? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang, il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail.
C'est ouvert. Vite, vite. T'en as mis du temps. Ouais, c'est ça, de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hé, hey, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre. Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Julian, du calme. C'est qui lui? Mon ami! Reste où t'es! Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer! Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger! Mon père a besoin d'aide! C'est pas mon problème! Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors, moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici. Je vais voir les autres. Suivez-moi. Venez, les autres nous attendent. Ah. C'est qui, lui? Un étranger? Vous allez tous nous faire tuer! Anton, du calme! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y a pas de survivants! Un pauvre valide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana! Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous.
Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève, portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien, le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu ? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Mais qu'est-ce que tu fous ? Leonardo, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Papa ! Elena, non ! Restez là ! Non ! Laissez-moi ! Oh non ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Vous avez fait le bon choix. Elena ! Elena ! Non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Tout risque de s'effondrer ! Non ! Vous ne pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule ! Non ! Non ! On va sortir d'ici tous les deux. Le feu gagne du terrain. Vous allez faire quoi ? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Ah!
Nathan, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Laissez-moi essayer. Ça brûle. On n'a plus de temps. On n'a pas le choix, faut monter. Venez, vite! Allez. Ça va aller. Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors, je vous la présenterai. Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Non, non, non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Oh. Il me reconnaît ! Papa ! C'est trop dangereux ! Bougez pas ! Tenez ! Attrapez ma main. Ethan, partez. Sauvez votre fille. Oh, regardez-moi. Donnez-moi votre main. Putain de merde. Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Je comprends pas. C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça commence ? Merde! Ah hey! C'était qui? C'était quoi ça? La mort. Oui. La mort leur a tous rendu visite.
rien d'autre que le sang et la mort. Hein ? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc ça y est, hein, on ouvre avec les bas-reliefs, on ouvre lentement la porte vers ce qui va être la prochaine étape du jeu, donc le premier en fait, rendez-vous des quatre seigneurs. On peut deviner avec l'hôtel sur l'église, on peut quand même deviner qu'il va y avoir quatre gros morceaux dans ce jeu. Donc l'intro, on va dire que c'est terminé, et puis on va avancer doucement vers le premier gros flip à mon avis de ce jeu. Voilà, je vous dis à très vite, restez connectés sur la chaîne. Salut.